Aujourd'hui, dans les couloirs de l'établissement public de la santé mentale de la Sarthe à Alonne, on ne voit ni patients ni médecins, pourtant on s'y affaire toujours autant. Action ! En effet, l'équipe du film Ulysse et Mona de Sébastien Bette-Bédé a investi l'un des bâtiments de cet hôpital pour tourner une scène clé du long métrage. Soutenu par la région à hauteur de 200 000 euros et bénéficiant de l'aide technique du bureau d'accueil des tournages, le film met en scène Eric Cantona et Manalissa dans une relation artistique tumultueuse. Ulysse et Mona sont les deux personnages principaux du film. Ulysse est un artiste contemporain qui a décidé d'arrêter sa pratique de l'art et de se réfugier dans un manoir à la campagne, dans un endroit un peu perdu. Et Mona, c'est une jeune fille qui est étudiante aux Beaux-Arts et qui voue une espèce de culte à cet artiste disparu et qui décide de trouver un moyen pour aller à sa rencontre dans ce manoir et tenter de lui proposer de devenir son assistante. Et après quelques moments un peu difficiles entre eux, ils vont se réunir pour ce qui va être en gros sa dernière grande œuvre. C'est un film qui navigue dans beaucoup de décors différents. Il y a vraiment cette idée de déplacement. Et j'aimais cette idée qu'on puisse arpenter un territoire assez vaste, assez abstrait aussi. Et j'ai trouvé ça en fait dans les Pays de la Loire, cette image un peu des paysages très divers et en même temps où l'idée du voyage pouvait se manifester de manière, avec de vraies oppositions et de vrais contrastes. Ne durant que 4 semaines, le tournage s'avère éprouvant, mais la solidité de l'équipe, la beauté des décors et l'accueil régional maintient le moral au beau fixe. Depuis le début, ça se passe super bien, quoi. Avec une super équipe. Hein. Et dans une région, ici, on est super bien, quoi. On est super bien reçu, partout en bas. C'est une région que je découvre. Et que je trouve très belle, quoi. Moi, j'ai adoré les plans à la forêt, parce qu'on ne voit pas beaucoup ça. Puis c'est pas pareil que tourner à Paris, parce que c'est un peu toujours la même chose. Mais là, c'est vraiment... Même les gens, ils sont pas pareils. Les gens, ils étaient très contents de nous voir tourner. Même moi, j'étais très contente de voir ces gens-là. Et bien sûr, on découvre, et comme Ulysse et Mona. Ulysse et Mona, que vous pourrez aussi découvrir prochainement lors de sa sortie en salle.